Bonsoir, Diagonale, l'actualité internationale du jeu d'échecs, ce soir avec Éloi Rolange. Bonsoir Éloi. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous, amis internautes. Et nous recevons quelqu'un qui est déjà venu plusieurs fois dans l'émission, c'est Nicolas Lavallée. Bonsoir Stéphane, bonsoir Éloi. Nicolas Lavallée, je rappelle, donc joueur international et webmaster de la Tour Infernale. Tout à fait. Une tour infernale. La Tour Diabolique. Ouais, plus infernale que jamais, je crois que c'est un site qui grandit. Hein. Et oui, de plus en plus de visiteurs. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, on fait pas mal de choses, notamment des tournois par email, avec la participation d'ailleurs d'Éloi, qui nous a fait l'honneur de participer donc, à ces tournois. Et puis c'est vrai qu'on prend un petit peu de poids au fil du temps. Ça devient très sympa maintenant. Oui. Alors, on va passer tout de suite à l'événement de la semaine, le grand tournoi de Dortmund. Voilà, donc le tournoi de Dortmund, tout de suite, Éloi, donc reportage cette fois avec Jean-Luc Chabanon, donc en direct là-bas à Dortmund, avec donc tous les joueurs, les meilleurs joueurs du monde. Oui, Jean-Luc Chabanon qui est donc notre nouvelle star de l'interview, puisqu'il a du peps, il est jeune, il est brillant, il pose des très très bonnes questions, il prépare très bien ses interviews, donc ce soir du très très bon matériel, puisque nous avons attrapé 8 joueurs sur 10, ce qui n'est quand même pas la moindre des choses, et nous avons même réussi à interviewer Junior, le programme, le logiciel d'échecs, donc qui est la particularité de ce tournoi de Dortmund. Alors peut-être, quand même, ce que tout le monde attend, je pense que c'est le classement de ce tournoi. Alors on va peut-être commencer par commenter le classement. Alors rapidement, le classement du tournoi, donc sans surprise on peut dire. Sans surprise, les numéros 2 et 3 mondiaux ont gagné, donc surprise, Kasparov n'est pas là, mais il n'avait pas joué le tournoi, donc ce n'est plus une surprise. Donc, Vladimir Kramnik et Vishwanathananand, premier avec 6 points sur 9, donc très belle prestation. Très belle prestation de ces deux très forts joueurs. Alors en position 3, on retrouve Leko, Adams et Akopian, égalité de points. Oui, alors évidemment, ce qu'il faut voir, c'est Akopian ici qui arrive à s'illustrer au niveau des joueurs donc, qui font le paquet des poursuivants de Garry Kasparov, c'est-à-dire Kramnik, Anand, Leko et Adams, les 4 joueurs qui poussent derrière Kasparov. Et ici, on trouve Vladimir Akopian, le vice-champion du monde de la FIDE, qui s'illustre pas mal puisqu'il score 5,5 sur 9, c'est-à-dire plus 2. C'est vrai, c'est pas mal, c'est un bon score, Nicolas. C'est pas mal. Je reviendrai après sur le petit commentaire sur les pronostics. Terminons le classement. Donc derrière, on va retrouver Deep Junior, qui fait une prestation moyenne finalement, mais donc les joueurs ont démontré que c'était pas un programme imbattable. Alors une prestation moyenne entre guillemets, puisque Deep Junior, si on peut lui donner un âge, il a 3 ans. Donc il est encore tout jeune, il est pratiquement en gestation, il est encore en gestation. Donc à 3 ans, c'est déjà pas mal d'arriver à se classer donc à 50% dans un tournoi aussi relevé que ce tournoi de Dortmund, qui fait quand même partie des meilleurs tournois mondiaux. Enfin, alors ce qu'il faut retenir quand même, je veux insister là-dessus, à chaque fois qu'on a un ordinateur, ce qui est important, c'est de voir s'il peut perdre en fait. Et bon, là, visiblement, il peut perdre, il a perdu 2 parties, et 2 parties clairement perdues d'ailleurs, hein, sur des positions où il n'a pas compris ce qui se passait. Oui, mais c'est-à-dire qu'on aura une seule fois le plaisir de voir que l'ordinateur ne peut plus perdre, c'est quand il ne perdra plus. Oui, c'est vrai. Et donc à ce moment-là, on pourra même plus se poser la question après le tournoi, ce qui est tout à fait dommage. Mais pour l'instant, d'après les analyses des joueurs et de Lionel Golgevich qu'on a reçu dans Diagonale pour une émission spéciale ordinateur, il faudra encore attendre 25 ans pour que la machine puisse calculer toutes les possibilités du jeu d'échecs et donc devenir imbattable. Enfin, moi j'aimerais quand même souligner le joueur qui m'a le plus impressionné dans ce tournoi, c'est toi Éloi, parce que je t'avais demandé juste avant que commence le tournoi un classement et tu m'avais sorti en 1 Kramnik, en 2 Anand, en 3 tu m'avais sorti Leko et ensuite Adams, et c'est quasiment ça. Oui, alors effectivement c'était pas forcément très dur de mettre les 4 plus forts aux 4 premières places mais bon, il me semble que je les avais donnés dans le bon ordre, donc c'était pas mal ouais. Ensuite on retrouve à égalité Kalifman et Barry F, qui font un tournoi un petit peu en demi-teinte. Kalifman, décidément, il n'arrive pas à se glisser quand même au niveau des tout meilleurs. Quoi. Oui, alors Kalifman, peut-être qu'il est en train de se préparer pour remettre son titre en jeu. En tout cas, Kalifman, rappelons-le, c'est le champion du monde de la FIDE. C'est lui qui a gagné l'énorme élimination, le système coupe organisé par la FIDE à Las Vegas en septembre ou octobre dernier. Donc Kalifman qui ne confirme pas son titre de champion du monde de la FIDE. C'est un peu comme au cyclisme. Hein. Le champion du monde de cyclisme, il ne gagne pas le Tour de France. Oui. Et dernier finalement, Piquet qui fait un tournoi plus que moyen finalement. Piquet qui était pourtant super fort. Alors Piquet n'est pas dernier, Stéphane. Il n'est pas dernier. T'interpelle. Ah oui, il manque notre expert en papyrus, ouais. Qui s'est remis pour l'occasion à jouer aux échecs. C'était c'est vrai, le local de l'épreuve pour ainsi dire. Il s'agit de l'allemand donc Robert Hübner,
qui, rappelons-le, est expert donc, en égyptologie, papyrus et diverses choses, il serait même plus fort qu'aux échecs. Alors qu'il a quand même un très très bon niveau, c'est-à-dire que c'est le Kasparov du papyrus qui joue dans un tournoi d'échecs du top mondial. Et effectivement, il y figure pas si mal. Donc le docteur Hubner, enfin non, pas si mal, je me reprends, puisqu'il fait 2 points sur 9. C'est une mauvaise performance pour le joueur allemand. Voilà, donc sur le classement, je crois qu'on a fait le tour. Alors tout de suite, je crois qu'on va avoir maintenant un clip sympa de présentation du tournoi. Oui, alors évidemment, la première chose qu'on va vous montrer, c'est des images. Superbe tournoi, donc des très belles images. Ce tournoi de Dortmund dans une salle de théâtre, c'est très joli, donc vous allez voir, donc peut-être Top TV. Dernier plan, Éloi, en diagonale. Oui, tout à fait en diagonale, à l'image de l'émission. Donc, Ce qu'on peut noter donc, sur ces images, deux choses. Bon, un, on retrouve ce qu'on retrouve dans ces grands tournois, c'est-à-dire les échiquiers géants qui permettent au public de suivre les parties. Et je crois, deuxième point, c'est que par rapport à l'année dernière, puisqu'on y était pour l'année dernière aussi, pour le premier reportage d'ailleurs à l'extérieur de diagonale, enfin hors France en tout cas, c'était pas dans le même théâtre. C'était pas dans le même théâtre, c'était la salle d'à côté, donc qui est un peu plus petite. Mais effectivement, cette année, elle était complètement pleine. Il y avait des gens debout dans la salle, c'est tout à fait impressionnant. Il y avait quand même 600 places dans cette salle. Donc c'est beaucoup, beaucoup de monde. Ah, c'est un très beau succès. Les Allemands très friands donc, du jeu d'échecs, qui sont venus en masse pour soutenir leurs joueurs. Donc ce n'était pas Robert Hübner, puisque le cœur des Allemands va plutôt pour Peter Lecko ou pour Alexander Kalifmann, qui donc sont... plus ou moins, on va dire maintenant, des Allemands, puisque l'un habite en Allemagne et l'autre est sponsorisé par une firme allemande. Et un peu Robert Hübner qui, lui, est vraiment allemand. Ah ouais, Robert Hübner est vraiment allemand. Difficile d'encourager un joueur qui ne marche pas bien. Ouais, il n'a pas très bien réussi. Alors toi, Nicolas, quel effet ça te fait de voir ces images là? T'es jamais allé voir un grand tournoi comme ça Alors, à l'étranger, non. Par contre, j'ai déjà vu quelques grands tournois grâce à Diagonale, puisque c'était au Grand Prix de Bordeaux et au Prix du Sénat. Donc, je connais le côté spectacle de ça grâce à Canal Web et Diagonale quand même. D'accord. Et donc là, tous les joueurs, tu les as tous reconnus là? Tu les connais maintenant de vue? Oui, de vue, parce que bon, je commente l'actualité sur mon site. C'est vrai que voir les images comme ça, notamment d'Acopian, on a parfois du mal à faire quand tu vois une image statique et puis une image comme ça qui bouge, le joueur qui... on n'a pas toujours facile de reconnaître. Mais j'aurais bien aimé être sur place quand même. Alors qu'est-ce qui s'est passé de particulier lors de ce reportage à Dortmund? Éloi, est-ce qu'il y a eu des anecdotes dans le jeu ou autour du jeu, dans un théâtre particulier? Eh bien, des anecdotes, il y en a eu, puisque nous avons croisé sur place un Français, nous avons croisé Joseph Pinter,
qui a commencé à nous commenter tout le tournoi avec un français plus qu'aléatoire, mais c'était en tout cas très agréable. Si on a des anecdotes sur les joueurs, bon, il y en a toujours, mais elles sont malheureusement pas racontables, donc je vais pas vous les raconter puisqu'on n'est pas ici pour faire du people. Mais effectivement, c'est toujours très très chaud dans les couloirs, dans les coulisses de ces grands tournois d'échecs. Donc évidemment, la grande particularité de ce tournoi, c'est Deep Junior. Je pense qu'on n'en a pas forcément assez parlé, puisque quand même, c'est vraiment l'élément qui, d'après l'organisateur du tournoi lui-même, a amené tout ce public, a un peu donné du piment, un piment supplémentaire à ce tournoi. Donc, en tout cas, les commentaires sur Deep Junior fusaient à tout va, chacun mettant son grain de sel à la discussion, et c'était vraiment ce qui a un peu mis en émulsion ce tournoi de Dortmund. Et peut-être qu'il a attiré le public aussi, de voir les joueurs essayer de se battre contre une machine, a priori, plus forte. En tout cas présenté comme tel dans les différents médias. Quand on voit des joueurs comme Anand qui font nul avec les blancs contre une machine comme ça, c'est quand même relativement surprenant. Enfin, on a bien vu Kasparov se faire battre déjà. C'est ouais. Vrai. C'est vrai, c'est vrai. sur un match qui reste à caution. Hein. On va pas lancer le débat là, ce soir, mais peut-être ça sera l'occasion d'une prochaine émission. Mais je crois qu'il y a beaucoup à dire sur ce match. Toujours est-il que la machine semble être réellement très forte. Oui. Mais bon. De toute façon, au cours du reportage, on va revenir sur les commentaires des joueurs qui ont tous donné quelques commentaires sur ce fameux Deep Junior, qui est, je crois, en fait une extension de Deep Blue ou quelque chose comme ça. Non, je crois pas. Non ça n'a rien à voir. C'est pas, non, c'est bon, pas en tout cas, ça a été fait par une firme israélienne, ouais. Effectivement, alors que l'autre était américain. Donc ça n'a bien sûr rien à voir. Il me semblait que c'était le même programme. Non, c'est pas le même programme. Il y a eu un Deep Blue Junior mm-hmm. qui a existé. C'était la version light de Deep Blue, mais qui tournait pas sur le même processeur qui avait été mis en place par IBM. Mais le Deep Junior israélien n'a pas de rapport avec Deep Blue. D'accord. En tout cas, on va voir tout de suite un joueur qui va parler de son tournoi. C'est Vladimir Akopian, vice-champion du monde officiel de la FIDE, qui finalement fait un bon tournoi puisqu'il est 3e ex aequo et donc il se hisse au niveau des tout meilleurs mondiaux. Il faut rappeler qu'Akopian n'est pas dans les 10 meilleurs mondiaux puisqu'il est aux alentours de la 20e ou 30e place mondiale. Oui, ça doit tourner à peu près dans ces eaux-là. En tout cas, nous l'avons interviewé en face du tournoi, c'est-à-dire en plein air, puisqu'il y a beaucoup d'arbres en Allemagne. Et Akopian était donc assez prolixe et assez intéressé par cette interview de Jean-Luc Chavanon. Donc Akopian avec des arbres. National Chess News. We are now in front of this super tournament of Dortmund, and I'm very glad to meet Mr. Vladimir Akopian. Hello. Hello. So now you have just finished your game against the world champion. It's This game is very important. I know because last year you played together in Las Vegas. So tell me your impression about this game. Yeah, somehow that means that we had some experience playing with Alexander. Yeah, as for the game, I have to say maybe I had some problems in the opening, but not very big. And in the end, maybe. It's possible to estimate position probably slightly better for white in the final position. But anyway, of course, it's very difficult to make any progress or something. And as we did not have much time to continue the game, he offered a draw and I thought I had no reason to decline it. In the tournament hall, the public and I, we saw that your opponent was never on the board. He stand up many times and he was just walking, you know, and it was not so difficult to concentrate in this situation. No, but this is his normal behavior during the game. In general, he likes when his opponent is thinking, he prefers to walk around and these things. There are other chess players who would think over their board, but in general I'm used to this, and in general this is his manner of play, and I don't see anything wrong with it. Now we spoke about the tournament. So you at this moment you have -1, so okay, it's not so good, but you can come back. And what do you think about this machine? Yeah, I have to play with Junior. I have to play it tomorrow with Junior. I don't know. Of course, it's not very common to play. Somehow, we don't play with computers very often. That's why, of course, it's somehow rather difficult to concentrate to play with the opponent, because somehow it is not opponent. It's machine and has its own logic.
But as I see today, for example, I think Kramnik just wins without any problem, and somehow probably he found the way to play with the machine. I don't know. Let's see if we could. But in general, of course, the computer is doing very well in the tournament, and proves that computers can play, of course, very good chess. And in the future, it would be very difficult for a human being to play against such computers. Yeah, that's true. Because you know, specialist says that in closed position, strategical closed position, like today, computer have big problems. So maybe it's the solution. Yeah, this is their weak point, of course, to play. But anyway, it's not so easy to get this type of positions for against computer. You have to work on it to prepare for the computer. What is your next rendezvous? I don't even know now, because I don't have any serious invitation. I mean, maybe some tournaments, some Swiss tournaments, I don't know. Maybe I play, but don't know exactly now. Okay, thank you. Voilà, Vladimir Akopian qui répondait donc à Jean-Luc Chabanan. Très prolixe, c'est la première fois, je crois. Donc, non, on l'avait déjà eu lors de l'anniversaire de la FIDE, je crois. Oui, oui, il me semble qu'on l'avait déjà eu aussi. Ah non, on ne l'avait pas eu à Bastia, malheureusement, mais en fait, on l'avait déjà aperçu là-bas. Donc, Vladimir Akopian qui nous dit pas mal de choses. Oui. Notamment, on l'a interviewé le jour de sa partie contre Alexander Kalifman. Donc, Jean-Luc Chabanan lui a posé la question, mais est-ce que c'est pas déstabilisant de jouer contre un joueur qui n'est jamais assis? Alors, effectivement, Alexander Kalifman, quand il joue une partie, il joue son coup et se casse. C'est-à-dire qu'il se lève et il va ailleurs, il quitte la salle de jeu et on ne le voit plus. Donc, effectivement, comme il lui a posé des problèmes dans l'ouverture, Vladimir Akopian est obligé de réfléchir beaucoup. Il s'est donc retrouvé tout seul pendant une demi-heure consécutive avec rien en face de lui. Oui. C'est-à-dire, c'est pas. Donc, la question, est-ce que c'est pas déstabilisant? Mais non, puisque Akopian, en fait, connaît très bien Kalifman, ils se sont rencontrés en finale du championnat du monde. Oui. Il a donc étudié sa façon de jouer et il a dit c'est son attitude normale pendant une partie, il se lève toujours, donc ça m'a absolument pas surpris, donc pas de problème. Est-ce qu'il a vu des vidéos pour se préparer? Oui, oui. Il a regardé Diagonal et il a donc vu le Alexander Kalifman qui n'est jamais assis. Ouais. Et donc suite à ça, il a réussi à surmonter ce problème. Vladimir Akopian aussi pessimiste quant à l'avenir des êtres humains face aux ordinateurs. Alors oui, il dit que la machine a sa propre logique, donc que c'est difficile de prévoir ses coups, donc ça c'est déstabilisant pour les joueurs humains. Maintenant, c'était le jour où Kramnik a battu l'ordinateur, qui est notre partie du jour, hein, qu'on commentera tout à l'heure, et Kramnik lui l'a proprement pulvérisé, donc vous avez tous les deux vu la partie, c'est incroyable, ouais. La machine a montré ses limites dans cette partie, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Ouais. Donc, la question de Jean-Luc Chabanan vient donc tout naturellement, est-ce qu'il ne faut pas jouer des positions fermées contre la machine, où il y a des plans de manœuvre et ainsi de suite, et c'est donc beaucoup plus difficile avec des algorithmes de calcul de trouver des coups logiques? Tout à fait. Et la réponse a été oui, mais c'est très très difficile d'obtenir une position fermée contre l'ordinateur. Pour l'instant, les programmeurs ont réussi à trouver des ouvertures où la machine arrive à ouvrir le jeu, arrive à ne pas se retrouver dans ces fameuses positions où il ne comprend plus rien. Oui. Et c'est pour ça que ça devient de plus en plus difficile de jouer contre un ordinateur. Et encore, dernière citation d'Akopian, la machine progresse très très vite et ça va devenir très très dur pour les humains de s'en sortir d'ici à quelques années. Pessimiste quoi, très pessimiste. En tout cas, enfin, il a cité que peut-être Kramnik a trouvé le truc. Il dit ça un peu. Oui, alors après je pense qu'on va avoir l'interview de l'expert, donc Vladimir Kramnik, qui lui explique bien plus en détail ce qu'il faut faire. Ah, mais Vladimir Kramnik, tout de suite. Okay, Diagonal TV, International Chess News. We are in the press center of the Super Tournament of Dortmund, and I am glad to speak with the superstar Vladimir Kramnik. Hello, Vladimir. Hi. So now you've just won the machine. So tell me your impression about this machine and what secret you use to kill it. Well, the secret is actually that you have to prepare for the game against machine, and you have to play some training games. What I did yesterday, there was a free day yesterday, and I played some just blitz training games, and just to see how. I play white, so I have different kind of setups in the opening, and I tried all these kind of setups and against the computer, and then I realized that this is the best what I played today. This is the best setup against computer, and in general, actually my plan simply worked out well. I mean, just the game went exactly how I wanted it to
to do. Yeah, yeah. And yeah, I spoke with Akopian, and I told him that in closed position the machine sometimes has a strategical problem. You think it's a good idea also to play like you choose, you know, this kind of setup, stone wall or this kind of position? Yeah, in general, this is a very good idea, I think. But first of all, it's not so easy to close the position because, as far as I know, computer tries to open it as much as possible. So you have to be very clever in the opening, in first 5-6 moves, to manage to close the position. And also, well, I mean, it's not a key for success to close the position. Also, this is very important is to have attack on the king in a close position. This is very important. That's what I had today. I mean, I went rook g1 and then h3 g4 and I had an attack, and this is very important. Then your chances are much better already. And technically, what you say about the technique of the machine? Because I saw the game with Michael Adams, and the machine play very, very solid in endgame. Yeah? Well, in general, computers are very strong nowadays, and there are not so many weak points in computers' plays. Maybe two or three weak points, and you have to use them, because otherwise you have no chance to win. I mean, you can still make draw, because, chess is a drawish game, in fact, but to beat a computer, there are only maybe 2-3 different tactics, not nothing else. And, of course, you have to manage to realize it over the board. It's also not so easy. Well, today I managed also, two weeks ago, I managed to beat Fritz, also with the same kind of style, but it's not so easy, of course. Okay, so now let's talk about human. So, what do you think about your tournament now, and how do you feel for the rest of this tournament? Well, I'll just play and see. Of course, I have a very important match in October against Garry Kasparov for the world title. And, of course, I don't care so much about this tournament. Okay, I just play. It's like a training for me, in fact. And I'm not so motivated, probably. That's why I don't show my best, of course, here so far. But anyway, I'll just play and just I'll train. And, of course, I'm very deeply in my mind in this match already with Kasparov. Of course, I'm preparing for this match. Is it your last rendezvous before this fantastic match? Yes. Probably I'll play some training games in September, but this is my last official tournament before the match. And who will be this the opponent of this this preparing game? You don't know, actually? I don't know yet. It depends. I mean, I have many friends who wants to help me and who are helping me, many chess players, so I'll just choose one of them. Okay, thank you. Voilà, Vladimir Kramnik, beaucoup de choses intéressantes. Hein. Je crois que tout ce qu'a dit Vladimir est très très intéressant. Il a donné la technique que lui pensait juste et bonne, Nicolas, pour battre l'ordinateur. Effectivement, il y a deux choses qui m'ont marqué. La première, c'est qu'il faut essayer de garder la position fermée le plus longtemps possible. Et aujourd'hui, c'est très très difficile, d'après ce que dit Kramnik, d'arriver à ce type de position. La machine, aujourd'hui, sait ouvrir une position. Mm-hmm. Et je crois il dit qu'il faut être très intelligent dans les premiers coups de la partie. Exact. Pour arriver à ce type, effectivement. À bloquer, oui. Et puis, ce qu'il a dit, je crois, très important, c'est ce qu'il faut garder en tête contre un ordinateur, c'est faut jouer contre le roi. Et ça, c'est quelque chose qui... C'est la première fois que j'entends ça. Bon, j'ai toujours entendu... Dans la position fermée. Il dit avoir une position fermée et une attaque contre le roi. Une attaque contre le roi. Mmh. À ce moment-là, l'ordinateur ne comprend rien. Ouais, et on verra tout à l'heure, on aura un peu le temps, que c'est effectivement la technique qu'il a utilisée contre... Oui, c'est les deux défaites de Deep Junior. Il a perdu quand il s'est fait attaquer par Piquet et par Kramnik. Les deux positions fermées où il se fait attaquer le roi, il se fait complètement démonter, tout simplement. Et comment est-ce que Kramnik a trouvé ça? Eh bien, il s'est préparé, tout simplement. Oui, il a dit la première clé pour battre l'ordinateur, c'est bien se préparer. C'est de bien se préparer, c'est-à-dire comme quand on s'apprête à jouer contre un joueur qu'on ne connaît pas, on regarde les parties qu'il a déjà jouées sur l'ordinateur. Là, comme il n'y a pas d'archives sur les parties de Deep Junior, il n'y a pas de partie sur les archives de Deep Junior, il s'est donc entraîné lui-même à jouer contre Deep Junior, puisque c'est un programme qui est commercialisé, et il a essayé tous différents types de setup, comme il dit, pour trouver finalement ce truc avec la position fermée et l'attaque sur le roi. Et dernière chose qu'il a dit très importante, c'est que c'était important d'avoir les blancs. C'est beaucoup plus facile d'avoir les positions fermées avec attaque sur le roi quand on a les blancs que quand on a les noirs, tout simplement. Alors, il y a un autre point qui m'a particulièrement marqué, c'est Kramnik a dit les échecs sont a drawish game, oui, un jeu annulant. Oui. In fact, il a dit. En fait. Oui. À l'aube de son match avec Kasparov, oui, j'ai peur pour lui. Non, mais
mais on peut faire confiance à Vladimir. Il va se préparer avec des très bons joueurs, c'est ce qu'il nous a dit ici. C'était son dernier rendez-vous officiel avant le match contre Kasparov. Et maintenant, il se prépare mentalement, il est déjà 10 plis dedans. Oui, il a dit, il est complètement dans le match. Il a dit d'ailleurs que c'était son dernier tournoi avant le match contre Kasparov. Hein. Oui, tout à fait. Maintenant, il se préparait à fond les manettes. Il va s'entraîner avec des amis, donc probablement des gens qui n'aiment pas Kasparov ou qui battent Kasparov. Il n'y en a pas beaucoup. Donc en tout cas, il va probablement en chercher. Je crois que Kramnik a été second dans Kasparov longtemps, où ils ont travaillé ensemble. Ils sont deux joueurs très très proches, il me semble, non? Oui, c'est oui, Kasparov. et le père de Kramnik. Il n'y a pas de problème. Je crois que Kramnik a été l'élève un petit peu de l'école de Kasparov pendant quelques années. Le fils spirituel, c'est un atout. C'est ça que je voulais dire. Voilà. C'est un atout. Voilà, en tout cas, très intéressant cette interview de Kramnik. Il a dit beaucoup de choses. Il a parlé des hommes, enfin, à un moment donné, du tournoi, puisqu'il a dit on arrête de parler des machines, on parle un peu des hommes. Il a parlé, commenté la technique un peu de l'ordinateur, notamment la technique qu'il a eue contre Adams. Il a parlé oui, l'ordinateur joue très très bien les finales. Tout le monde est d'accord pour dire ça. Puisque avec les systèmes de hash table, alors interprétez comme vous le voulez, en tout cas il y a des systèmes qui mettent toutes les positions en mémoire et donc qui fait que l'ordinateur commence à voir très très loin, à augmenter énormément sa puissance de calcul en finale, peut-être que Nicolas faisant des transpositions très rapidement. La hash table permet en fait à un ordinateur d'éviter de calculer deux fois la même position, et donc en finale souvent on se retrouve dans le même type de position, donc ça permet d'élaguer énormément et donc d'aller très très profondément dans l'analyse. C'est effectivement donc un point clé pour les ordinateurs aujourd'hui en finale. Alors on va voir maintenant le second du tournoi, enfin second entre guillemets, puisqu'il est ex aequo avec Kramnik au nombre de points, mais il y a eu un match de départage qui a donné l'avantage à Kramnik, mais sur le tournoi lui-même ils sont ex aequo. C'est le ancien numéro 2 mondial et maintenant numéro 3, puisque Kramnik est passé devant. C'est l'Indien Viswanathan Anand, qu'on a eu déjà plusieurs fois dans Diagonale, cette fois Anand spécial Dortmund. Diagonal TV, International Chess News. We are in the Super Tournament of Dortmund and I am very glad to interview Mr. Vichy Anand. Hello Vichy. Hello, how are you? So today you win a very, very important match against Michael Adams. Now you are leading the tournament, so can you tell me about this game? Well, you know, it was a martial gambit and it's pretty much where we left off in Dos Hermanas. And I had prepared this idea with knight e4, so I got a chance to try it. I think he managed to defend himself quite well. And then at some point he lost track of the position. I think he underestimated the tactics with my bishop d1, bishop c2. And then already I swap bishops and I'm slightly better. But he blundered queen f3 and then I was able to exchange queens and be two pawns up. So. Okay, no, you know, we know everything, and you play a fantastic tournament in Frankfurt, and now it's probably your comeback at this moment. Well, I don't want to get carried away. Of course, I'm very happy with how I played in Frankfurt, and I hope, I get more results like this. But no, of course, I'm delighted with how I played in Frankfurt. I was really very pleased. So actually, you refuse to play against Kasparov in the next match, but. How do you feel? You prepare very strong for the World Championship? Well, you know, at some point I will start preparing for New Delhi, but for the moment, okay, I'll play this tournament. Okay, so I'd just like to speak about advanced chess. You won the match against the last tournament with Shirov, I think. And do you think there are some specialists of this kind of chess? Again, a kind of speciality, you know, some tricks to play much better in this kind of strategy. Well, in general, you must know when to trust the machine and when not to trust the machine. Of course, it may seem very relaxing when you can just let the machine play, but sometimes he leads you in the wrong track. So I think basically you need some skill in knowing when to accept his suggestions and when to reject them. But of course, it's very useful to have somebody, you know, checking all your calculations. It's much easier to play like this. So maybe you think that some not so famous player but strong on master can improve by using computer. They can change the hierarchy of the top players in this category of chess. Well, you know, I don't want to draw too many conclusions from. I've just played two years. It's possible, but anything is possible. I mean, until everybody has a chance to play, and maybe after 5-6 years we can draw some conclusions. But. I mean, that would seem natural, but I'm not convinced that it's the only side effect.
Yeah, because you know, people play on internet, and probably some people when they play tournaments on internet, they use computer to help and to not to do mistakes. Donc, Vision Internet interviewé par Jean-Luc Chabanon. Ils ont parlé d'Advanced Chess à la fin. Oui, principalement, évidemment. Au début de l'interview, c'est Anand qui commande sa partie où il a battu Michael Adams. Il a réussi à battre le fameux Gambi Marshall, ouais, employé par Michael Adams régulièrement. Et la deuxième partie de l'interview, c'est ce que nous avions préparé avec Jean-Luc. Il fallait lui parler d'Advanced Chess, puisque c'est sa grosse spécialité, notre ami Vishwanathan. Il faut rappeler que l'Advanced Chess, c'est de l'échec assisté par ordinateur. On s'en sort pas. Hein, de Dortmund, il fallait parler de Deep Junior. Et là, oui, l'informatique prend une place de plus en plus importante, probablement pour des raisons économiques. Ça, c'est une des raisons. Mm. Et effectivement, pour des raisons médiatiques, puisque c'est vrai que l'ordinateur contre l'esprit humain, c'est quand même un très beau, une très belle affiche. Donc, Advanced Chess, ordinateur humain contre ordinateur plus humain, et Anand gagne toutes les compétitions qu'il joue. Il avait notamment pulvérisé Karpov, qui n'avait absolument pas su s'en sortir avec l'ordinateur, hein, qui avait réfléchi des heures, s'était retrouvé dans une note. C'est pas de sa génération. Voilà, exactement. Alors que Anand, lui, arrive à initialiser l'ordinateur avec des raccourcis clavier très très vite. Il va très vite, il configure tout en quelques secondes, donc on sent le spécialiste. Mm. Et il a cette année encore battu Shirov en échec avancé, assez facilement. Alors, la question, c'est est-ce que ça peut créer des spécialistes? Est-ce que certains joueurs qui arriveront à s'harmoniser avec l'ordinateur vont bouleverser la hiérarchie mondiale? C'est-à-dire, par exemple, est-ce que Stéphane Laborde plus Fritz peut battre Kasparov plus Fritz? Voilà la question de Jean-Luc Chabanon. Alors, je dis tout de suite, c'est peu probable. C'est peu probable. Ou il faut une très forte version de Fritz. En tout cas, apparemment, Anand ne veut pas trop se mouiller là-dessus. Il dit que tout est possible. Dixit Anand. Dixit Anand. Donc, c'est possible. En tout cas, ce qu'il dit, ce qui est très, très intéressant sur comment il faut jouer avec l'ordinateur, il dit il faut savoir à un moment donné s'il faut croire l'ordinateur sur ce que l'ordinateur propose comme coup ou pas, en fait, ou réfléchir par soi-même. Il y a des moments où il faut prendre la bonne décision. Oui. Suivre ou pas l'avis de la machine. J'ai l'impression qu'Anand a pris en fait la machine par le bon bout, c'est-à-dire qu'il cède la machine. Bon bout. Par le bon côté. Il cède la machine pour vérifier ses calculs. Il cède pas de la machine comme force de proposition, il cède pour vérifier ses combinaisons. Et je pense que c'est là le bon, la bonne logique, la bonne façon de procéder avec ce type de compétition. Oui, il a mentionné un des deux travers principaux, donc il y a deux possibilités. Soit on croit toujours l'ordinateur, à ce moment-là, c'est pas bon. Soit justement, c'est se laisser endormir par les calculs de la machine, c'est-à-dire ne faire l'esprit, enfin, arrêter de faire fonctionner son esprit, arrêter de réfléchir tout simplement. Et l'autre travers, c'est de justement d'oublier la machine comme l'a fait Karpov. Mais c'est ça, le gros truc, c'est ça, c'est qu'il faut savoir quand croire ou ne pas croire à la machine, je pense que il l'a bien dit et on l'a compris. Tout à fait. Alors on va voir maintenant, on va y venir, hein, puisque tu parlais tout à l'heure de l'interview de la machine. Eh bien, on a l'interview de Deep Junior lui-même. Deep Junior, en personne, va répondre aux questions. Alors vous allez voir, c'est Jean-Luc Chabanon qui l'a interviewé. Voilà. Très fort, ce genre. Interview de la machine par Jean-Luc Chabanon. Junior, so we remind to the viewers that you are the programmer, one of the two programmers of the program. And here, what do you think of its performance actually? It's, I think, 50%. Yeah, so far it's performed surprisingly well. I must admit that I didn't expect it will have such a score in such a field. I think it's perhaps an historical tournament for Junior, I think for all computer chess, because it is taking the so far computer chess to its ultimate, testing against the top players in regular tournament play. It's no more an exhibition match like Deep Blue or other usually sort of offbeat events. This event is serious. Everybody needs to make a point, and they're all playing Deep Junior, and they're all applying now, I think, new strategies against the computer, because they've appreciated the strength of computers along the time. As for Junior specifically, I'm extremely pleased with the performance. I think the most significant game was the draw with Adams, which proved that a computer can play extreme positional chess, what was considered to be the entire domain of human players, and Adams excels in positional chess, and that's why I believe this was the best game so far. So I'm very happy. Yes, so the computer seems to play well in technical positions.
also in tactics, of course. But yesterday he lost a very hard game against Vladimir Kramnik in a positional play. So was it possible to predict such a result in this position? Well, I beg to differ a bit. I think that so far, perhaps unfortunately, perhaps not, Junior did not have tactical opportunities. I think in all games, all opponents being very prepared and very knowledgeable, especially after Frankfurt, wherein Fritz played and had given them a good reason to understand, as well as in the Dutch championship, that computers are good in tactics. The players have all employed positional and strategical maneuvers against Junior, and I wish I would have a good tactical game. Perhaps Kalifman was one little example. But as for the game with Kramnik, it is a bit surprising, because Kramnik's comments both before the game and after the game had claimed that computers are weak in tactics and are very good in positional game. And I think in many ways Kramnik outcalculated Junior yesterday, and it's quite a turnover, I think, in perception. Right, and it wasn't so difficult to make a Junior play in this tournament, because I believe that humans are not very fond to play against a computer, are not very happy to play. Well, what I could say on this issue is very simple. I think chess doesn't enjoy too much of attention, or at least the attention it deserves. And in my mind, at least from this tournament, you can see that the games the Junior plays bring huge excitement to the crowd. And I think top grandmasters have a choice in this case, and I think it's an obvious choice. You can actually boycott computers, it's easy, but the question is how many viewers do you lose for that? And at this very moment with our website, I can see the crowds roaring for viewing Junior and against the players. And I think that the players are now in a status where they already got used to the computer and are playing the computer very well. So from this perspective, I do believe that computers will take part, and history proves you cannot fight technology, you cannot stop it, and this was a mistake done by IBM, and today I think this mistake is being corrected in Dortmund. Right, and what are your prognoses for the program this year? Well, I think that we will definitely take home a good amount of knowledge and analysis of what happened here. I think that the program has a lot to improve, and I think that we've identified particular areas in its game which need to be polished, and I think that Junior will take more and more a very strong role in top chess. Perhaps it's one of the top players in the world right now. Okay, thank you, thank you, thanks a lot. Thank you very much. Voilà, donc en fait, vous avez bien compris, c'était le programmeur évidemment de la machine et non pas la machine elle-même. C'était donc monsieur Bouchinski, l'Israélien, qui est programmeur de cette machine. Oui, programmeur et directeur du managing de KasparovChess.com, qui retransmettait les parties en direct. Donc double casquette pour ce monsieur Shai Bouchinski, qui a répondu à toutes les questions avec brio et très clairement. Très clairement, voilà. Donc il a analysé notamment l'aspect intérêt de mettre la machine dans le tournoi, en disant que c'était un atout pour intéresser les gens au tournoi. Puisque clairement, il dit par rapport au website qui retransmettent le tournoi ou par rapport au public en général, c'est un atout supplémentaire pour que les gens s'intéressent aux échecs. Oui, en fait, il est en train d'expliquer que peu à peu, les grands maîtres n'auront plus le choix entre jouer ou ne pas jouer contre l'ordinateur, puisqu'on a déjà vu des grands maîtres s'abstenir, dire non, moi, pas de machine, je ne veux pas jouer. Maintenant, on n'aura plus le choix, puisque en fait, le public réclame du sang. Le public veut des circuits imprimés contre de la chair fraîche. Et après avoir goûté à ça, ils commencent à y être habitués. Maintenant, ils en redemandent. Ouais. Donc, de toute façon, on ne pourra plus se défiler quand la machine arrivera. Donc, ça va être une vraie boucherie. Ça va tourner à la boucherie. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il a aussi dit une déclaration, je dirais, philosophique, du genre « l'histoire n'arrête pas la technologie ».
Bon. C'est vrai que quand on regarde au fil des années, bon, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, la force des programmes aujourd'hui, elle s'accroît de manière assez exponentielle. Donc il est vrai que si la courbe continue telle qu'elle est aujourd'hui, Kasparov aura beaucoup de soucis à se faire dans quelques années. Peut-être on pourra imaginer qu'un jour le championnat du monde se fasse entre deux machines. Oui, on peut l'imaginer, mais enfin là, ça perdra un petit peu d'intérêt quand même. Non, ce qui est bien, c'est quand même cette dualité, oui, tout à fait. Ce qui est bien, c'est que si l'ordinateur continue à accroître sa force, on aura sans doute quelque chose à apprendre aussi de l'ordinateur. Il pourra nous apprendre des choses très intéressantes dans certains compartiments du jeu. Il y a quelque chose qui m'a marqué dans cette interview, c'est l'aspect stratégique. Aujourd'hui, la machine joue stratégiquement très très bien. Mmh. Il l'a souligné notamment avec la partie contre Adams, où il a souligné l'expertise d'Adams dans un type de position stratégique. La machine a su faire face. Oui, mais est-ce que c'est la question qui peut toujours se poser aussi, c'est... On a l'impression qu'elle joue bien stratégiquement, mais peut-être parce qu'elle a tout calculé, les coups qu'il fallait pas jouer, elle arrive à trouver le coup correct. Je crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, au final, parce que quand on voit la partie de Kramnik ou de Piquet contre la machine, on se dit que elle joue pas bien stratégiquement. Par contre, oui, parce qu'effectivement, il y a un effet d'horizon. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même une très très bonne intelligence qui est programmée à l'intérieur de ces machines. Je pense que la machine va devenir vraiment très 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 coriace dans les années à venir, même si l'homme saura toujours trouver un chemin vers la victoire. Oui, alors donc je pense que je vous arrête parce qu'en fait vous êtes parti un petit peu, vous avez donc pas fait la différence entre stratégique et technique, oui. Ce qui n'est pas du tout la même chose. La stratégie c'est les plans, les manœuvres, et la technique c'est la précision en finale. C'est pas du tout pareil. Donc effectivement la machine sur le plan technique joue très bien, sur le plan stratégique il y a encore des choses à apprendre. Oui. Là par contre, on a appris une chose très intéressante dans cette interview, c'est que Kramnik a bluffé la machine. Puisqu'il a déclaré, donc en fait le programmeur de la machine a déclaré que Kramnik avait dit que la machine calcule mal. Alors qu'en fait Kramnik nous a bien dit que le gros défaut de la machine c'est quand son roi se fait attaquer dans une position fermée, ce qui est tout sauf du calcul. Les projets de monsieur Bouchinski, il va analyser les parties, c'est-à-dire comme un vrai joueur en fait, nous allons analyser les parties de Junior, voir où est-ce qu'il joue bien, où est-ce qu'il joue pas bien, identifier les problèmes, et en tout cas ce qu'il dit c'est que maintenant déjà si on achète son programme, donc sans surprise, on a un des meilleurs joueurs du monde à la maison. Oui. Ce qui paraît vrai. Alors il y a le risque aussi, on finira par ça, mais il y a le risque aussi, j'y pensais en rendant ces parties, contre l'ordinateur, de pouvoir répéter une partie jouée. Parce qu'a priori, si on rejoue la même position et que la machine se met à réfléchir et n'a plus le choix aléatoire de son ouverture, disons, possible, si on retrouve la même position, a priori, si on joue les mêmes coups, elle va jouer les mêmes réponses. Donc on peut aussi se demander si on trouve une solution pour la battre, les joueurs auraient tendance à répéter. Oui, mais essayer de répéter les parties qui ont été faites. Il y a des algorithmes qui sont aujourd'hui très 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 complexes et qui permettent d'apprendre par rapport à une position donnée et ne pas rejouer deux fois les mêmes erreurs. Mmh. Donc des systèmes cognitifs qui permettent donc d'éviter de reproduire les mêmes bourdes d'une partie sur une autre. Et peut-être de ne pas les reproduire. Plutôt de ne pas les reproduire. Voilà, alors maintenant on va voir l'interview de Jeroen Piquet, le Hollandais. Anything more about this idea knight d5, because your opponent spent maybe, I don't know, 40 minutes before answering at this moment? And actually I had this novelty already a long time. I'm not even sure if I played the best line, because I couldn't remember everything, because it was a long time ago. But I think knight d5 is a very strong move, and also Khalifman, he spent a lot of time, and he also said after the games that he was very worried during the game. I have one very important question about your career. You play many, many strong tournaments at this moment, and sometimes you can do the fantastic result like you did against Kasparov. So can you tell us what you need to make some progress at this level? It should be very difficult. It's just something. Yeah, it's also the form, and it's very difficult to describe and to understand why sometimes you play a good tournament and sometimes a bad tournament. It's very difficult to control this, otherwise I think, all top players, they have their good tournaments and bad tournaments. But, you have to, in this level, you don't get many chances, so if you get chances, you have to take them, that's for sure. And, as I told you, I didn't this tournament, and then you would just have a bad tournament. It's simply, I think, with top-level sports, if you get an opportunity to score, you should do this with any sport, and with chess also. I mean, there are incredibly strong grandmasters in this tournament, and okay, they don't lose many games, so if you have a chance to beat them, you should do it, otherwise you miss this chance, and it will turn against you.
Like many chess players at this moment, I'm sure that you are preparing the big rendezvous of the end of this year, the Olympiad, and probably the next World Championship. Can you tell us about your preparation or what you will do now? I will still play some tournaments in July and August, and in September, October. Yeah, I will start preparing for this for all these events. Yeah, like you said, like most grandmasters, I think September it is more quiet time, and then I think everybody will work on his repertoire. But I think also playing these top level tournaments is good preparation. And just one word about computer chess. What do you think about Fritz? And just one word about computer chess. What do you think about the level of junior? I think it's quite good, yeah. In National Championship of Holland, we played against Fritz, which was also a dangerous opponent, but this junior year, he seems more dangerous. I'm really impressed with his level. And okay, he lost one game so far only. So I think it's really a strong level computer. And well, we will have more problems in the future with this computer, yeah. Okay, thank you, Johan, and good luck for the rest. Voilà, Johan Piquet qui expliquait que c'est pas toujours facile de comprendre comment progresser et pourquoi parfois il faisait de bons tournois et parfois de plus mauvais. Oui, c'est la question qu'on lui avait concoctée avec Jean-Luc. C'est-à-dire, Jeroen Piquet a réussi à battre Kasparov. C'est un des rares joueurs qui a battu Kasparov en semi-rapide et sur Internet, mais enfin, il l'a quand même battu au Grand Prix Kasparov. Alors pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à réitérer cet exploit souvent? Eh bien, tout simplement, d'après Jeroen Piquet, c'est qu'il n'arrive pas à contrôler sa forme. Il ne sait pas ce qui se passe, l'alchimie de son corps en tout cas. Pourquoi est-ce que certains tournois il l'est et d'autres il ne l'est pas? L'alchimie de son corps. Oui, exactement. Et en tout cas, il ne comprend pas, il n'arrive pas en tout cas à être au meilleur niveau tout le temps. Et autre problème qu'il a, c'est qu'il n'arrive pas toujours à saisir sa chance suffisamment. Il n'arrive pas donc à marquer le point quand il n'y a plus qu'à mettre la balle dans le but. Voilà, tout à fait. Et Jeroen Piquet qui va se préparer à partir de septembre, donc il va jouer encore des tournois juillet-août, à partir de septembre et octobre pour les Olympiades et le championnat du monde de New Delhi et Téhéran. Il a fait une déclaration commerciale aussi, il a dit que Fritz jouait mieux que Junior. Voilà. Messieurs les compagnies. Fritz qui avait joué le championnat de Hollande. Oui. Il faut rappeler que Jeroen Piquet est donc hollandais. On va passer maintenant au numéro 1 anglais, maintenant numéro 5 mondial, il a progressé. C'est Michael Adams. Non, ça sera peut-être Alexander Khalifman. Ah pardon, Alexander Khalifman d'abord. Qui est quand même champion du monde. Oui, qui est quand même champion du monde. Ça serait dommage de l'oublier. Tout à fait. Diagonal TV, International Chess News. We are in the press center of the Super Tournament of Dortmund, and I am very glad to speak with the world champion Alexander Khalifman. Hi, Alexander. Hello. So, first of all, I would like to know your impression about this tournament and your result in Dortmund. Yeah, that's quite a strong tournament. What about my result? No, it's fairly negative, but okay, for me, the very bad surprise came already in round one. And you know, just I had black pieces with Vishan, and okay, my French defense worked perfectly once more, and I had the winning position after the opening. So it could be a very good start in such a tournament, but somehow I started thinking too long, and just first I missed easy win, and then just spoiled the game. And okay, that was a big shock, and after this, okay, so I went into Linares style, making all draws. Yeah, some of them with big problems, however. So the tournament is strong and very interesting, and my play here, okay, I'm sorry. Okay, I would like to know also, like many viewers, do you have a special preparation now for the next World Championship? And yes, hopefully. Okay, you know, just we have a lot of controversial news about this World Championship. Okay, I can admit I'm a bit surprised with the venue. Yeah, okay, but FIDE is kind of organization which always, you know, just brings chess players a lot of surprises. And yeah, that's very important tournament. And okay, first I'd like to check if it really would take place, and if it really would take place in these exotic places. And then I'll start my preparation, because it's very important. Okay, it's a tournament of the year. Alexander, do you have something to say about the machine or the style of playing chess?
Yeah, that's nothing new, you know, just as the technology is progressing, the machine is more and more dangerous opponent to play chess. And the result here proves it completely. Okay, it, machine still has some weak points. Okay, it cannot maneuver correctly in rather closed positions. It does not understand some closed structures. And Vladimir Kramnik just proved this very confidently. But up to now, that's the only loss of machine. And yeah, so we are entering the new era of chess development, that machines can play on the very high level and with good success. Okay, this year many strong tournaments are organized in Germany. Do you have some real? Does it have a kind of signification for you to play in this country? Yeah, it's nice. Yeah, I'm also a bit pleasantly surprised because, okay, for a long time I did not get any invitation to play in good tournaments in Germany, but finally it happened. And as I have a big experience in this country, as I play German Bundesliga already for 10 years, I feel myself, okay, not exactly as at home, but I just feel myself very, very well here. But this tournament, okay, it did not go perfectly, but that's not because of organization, that's just because of this first round loss. Okay, thank you, Alexander. Good luck. Voilà, Alexander Kalishman qui regrette d'avoir raté Vichy Anand dans la première ronde, c'est ça, hein? Oui, de l'avoir raté, il était gagnant, il a perdu. Ensuite, ça a été un peu comme Alinares, il a enchaîné avec un nul, mais le tournoi n'a de toute façon pas fonctionné. Alors, par contre. Sujet épineux. Oui, sujet épineux, mais rigolo, parce que donc Alexander Kalishman, par rapport au championnat du monde d'échecs, a dit que bon, mais c'est très bien si ça a lieu dans ces endroits exotiques. Oui, son New Delhi était vraiment, voilà, tout à fait exotique. Et il dit que la FIDE a le don de surprendre tout le monde, oui, y compris les joueurs d'échecs, ce qui est tout à fait pas mal. Pour Deep Junior, il dit qu'il a des problèmes de structure et que Kramnik l'a bien démontré, mais qu'on arrive dans la nouvelle ère du jeu d'échecs, c'est-à-dire qu'en fait, les ordinateurs, effectivement, maintenant font vraiment partie du paysage échiquier. En tout cas, Alexander Kalishman, très sympathique sur cette interview, qui s'est même excusé à un moment donné d'avoir perdu un peu le fil de ce qu'il voulait dire, en fait. Oui, tout à fait. Ouais, très sympa. Très sympa, et on va passer à un autre joueur très sympa, ils sont tous très sympas de toute façon, c'est Michael Adams, donc cette fois le véritable numéro 1 anglais et numéro 5 mondial actuel. Alors Michael est en train d'arriver, voilà. Le temps que nous le calions, voilà, parce que c'est de caler. Ça qu'il s'agit. Il faut le caler. Alors vous allez voir cette interview de Michael Adams, une question très très surprenante de Jean-Luc Chabanon. Qui lui a posé, c'est ce qu'on appelle la cagade. La cagade. Tout simplement. Alors la cagade de Michael Adams. Si on. Est-ce qu'on peut l'avoir? Bientôt prêt. La cagade. Non, pas encore. Alors on va pré-commenter l'interview, puisque voilà. Pour ceux qui veulent le voir en anglais, ils le verront après. Jean-Luc Chabanon demandant à Michael Adams, alors ça te fait quoi d'être le plus fort joueur de l'Ouest de tous les temps? Et Jean-Luc avait tout simplement oublié Bobby Fischer, oui. Effectivement, qui n'était pas forcément le moindre. Voilà, donc ça c'était la fameuse cagade. Et Michael Adams, toujours très flegmatique. Très flegmatique. Très tranquille, qui garde son sang-froid. Alors regardons cette interview. International Chess News, we are in the press center of the Super Tournament of Dortmund, and I'm very, very happy to speak with Mr. Michael Adams, the super number one of England. Hi, Michael. Hi. So I would like to speak about first of all about your result in this tournament. You beat Kramnik and you lose against Vichy Anand, but at this moment you are one of the leader of this tournament. Can you say something about? Yeah, I'm in third place at the moment. I was pleased to beat Kramnik. Obviously, I haven't had so many victories against him in normal chess, so that was. Quite a success, but I had quite a decent position against Vichy, and I made a bad decision, which was a bit disappointing the day after. Yeah,
Now I would like to know, because you know soon there will be played the next World Championship, and I'm sure when we see your last result in this competition that you are very motivated to do something. Do you have a special preparation for this big rendezvous? I'll take a little bit of time off and try and do a bit of work on my openings before the World Championship. But I don't have any special plans other than that. I would like to say something because I know you are very modest, but normally now with your fantastic rating and with your very regular result, we can consider that you are maybe the strongest chess player of the history in the West countries. What do you think about this? I don't know. It's hard to judge, particularly with the rating system, because of course in general ratings are getting higher. I mean, it seems to me that the level of play is also getting higher, but it's hard for me to judge that. Yeah, of course. Yeah, thank you, Michael. Voilà, très sympathique Michael Adams, en pleine forme. Oui, Michael Adams, toujours très modeste, nous dit que le niveau de jeu a en général augmenté. Effectivement, c'est une réalité. Et sinon, sur son tournoi, il est effectivement assez satisfait de sa prestation ici. Et enfin, on va retrouver maintenant en dernier Peter Leko, le Hongrois, qui a fait un très bon tournoi puisqu'il est 3e ex aequo, mais il était gagnant l'année dernière, donc c'est un peu moins bien. Mais bon, il est toujours là, il est en super forme. Il a battu Kasparov à Francfort, faut rappeler. Il a battu Kasparov à Francfort, et oui, il l'a battu sur une superbe défense Runfeld. Et il est là, en direct, sur Diagonale, Peter Leko. Leko. National Chess News, we are in the press center of the Super Tournament of Dortmund, and I am very happy to speak with Mr. Peter Leko, the Hungarian young champion. And I would like to ask you some questions about your tournament. Hello, Peter. Yes, hi. So tell me, what is your impression about this tournament? What is your sensation now? Well, okay, it's a very interesting tournament, and with a +2 score, I can be very happy. Of course, I won a game in the first round against Hübner. Then yesterday I won a very exciting, interesting game against Bareyev with a very nice ending. So I feel happy, of course. And well, I'm still fighting for the first place. Now I'd like to know, yes, you are fighting for the first place, and you know that the leader every day has some problems. For example, yesterday Michael lost against Vichy, and probably Vichy will suffer today against Kramnik. So for you it's a good thing because you finish with many times white, probably 2 times? No, I think... yes, I still have 2 whites against Kramnik and against Junior, but I still have to play black against Vichy. But actually, I'm not looking at the game of Anand or Kramnik. This is for me not so important. I really want to get into good shape, yes, play good games. And well, if I can win the tournament, that's great. But I really want to finish well, and that's the most important thing. I suppose that for you, it is a very, very important thing to play in Germany. And because your sponsor, and can you say something about playing in this in your country? Yes, well, of course it's very nice. There are many spectators, and it's really like a home atmosphere. But of course, I also have some obligation. For example, for the sponsor, I have to comment after the game my game for the public, and I have to speak with the public. It's of course also nice, but takes energy. And okay, last year I managed to win the tournament, but now it's 9 rounds, you need much more energy, and even the weather is now not so good, no sunshine, so you have to be careful. Yesterday I spoke with Mr. Pinter, and we spoke about Hungarian chess. This year you have 2 big rendezvous, you have the Chess Olympiad, and after the World Championship. Are you well prepared, or do you think you have something to do now, to find some kind of... some things to prepare before this 2 big rendezvous? Well, of course, I have to prepare a lot, but I was not playing for the last 3-4 months. My last tournament was in Linares, so I was already preparing a lot. Now my main idea is to get into good rhythm, yes, to find my play, get into shape, because I think I'm well prepared, but now I really need practice. So you are maybe one of the 3 players who did not play against the machine. What do you think about this result of the machine? She is very impressive now. No, I don't think it's impressive. Well, actually, it's a very normal result for this machine.
Because, okay, playing against a machine is something different in this tournament, and you don't take it also so seriously, because it's not counting for elo points, nothing, and, okay, if a draw is a good result, and then you can concentrate on the big guys. That's the attitude, I think, of most of the players. Okay, so thank you, Peter, and good luck for the rest. Thank you very much. Et voilà, donc après cette interview de Peter Leko, c'est fini, je crois que je vous remercie, et puis tous, y compris Jean-Luc Chabanon, et on se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour la suite des événements. Avec un reportage sur Bienne, voilà, le tournoi Bienne, Suisse. Exactement.